Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Carto. On avait exploré la première île, et d'ailleurs ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cette première île, c'est le contenu de la démo, puisqu'il y a une démo gratuite. Donc si vous voulez jouer un peu et voir par vous-même le gameplay, c'est possible grâce à cette démo. Donc on va attaquer la suite et notre nouvelle île. C'est parti! Donc, on venait d'atterrir ici. Shannon nous a dit qu'elle allait explorer les îles alentours et que nous, on pouvait explorer celle-ci. On se retrouve ici demain. Bonne exploration. Donc, on va explorer. Donc, on a une nouvelle carte. On a une petite chose qui fait bêh et qui est un bouton. Bien caché. On a visiblement un chemin ici. On a une autre petite poule ronde qui fait bêh et qui manque également un bouton. Et on a une carte supplémentaire. Ok. Alors, voyons ce qu'on peut faire. Pomme, faire trop compliqué, on pose les deux et on va voir. Alors, il y a une dame qui joue de la musique et qui plante visiblement. Donc elle chantonne. Chut! Doucement, elle nous écoute. Hein? Poussez, petites graines, et coupez le rythme des terres et émergez de votre sommeil forestier. Extirpez-vous de votre cage terrestre et dansez sur mes airs entraînants. Dansez! Et elle fredonne avec enthousiasme. Ok. On a une autre petite boule toute ronde qui fait bêh. Et qui donc un autre mouton. Non, celle-là, on l'a déjà exploré avec le mouton. Et ici, on a quelqu'un qui dort. Ah! Mes moutons! Est-ce que tu as vu mes moutons? Je me suis assoupi un instant. Ils ont dû en profiter pour partir se promener. Ils adorent ces belles des neiges. Oh, papa a dit qu'elles ont un goût de guimauve. Les moutons ont dû l'entendre. Tu pourrais m'aider à les rassembler? Et on va l'aider à rassembler ces moutons. Donc, on en a vu quelques-uns, donc... Non, le mouton ne veut pas. Est-ce que tu as une astuce? Mes moutons adorés! Ces petites boules de laine t'ignorent! Ils doivent vraiment adorer ces fleurs! Ils ne te suivront que si tu trouves quelque chose d'encore plus délicieux! La plante la plus délicieuse de la prairie! Tata Tuya aura peut-être la réponse! Elle est fermière rythmique! J'imagine que c'est la dame qui chante aux plantes. On va aller la voir. On dirait que Mo a perdu ses moutons, encore une fois. S'endormir en comptant les moutons, c'est quand même un comble pour le berger. Et je suppose qu'il t'a demandé de les rassembler. Il te suivrait sûrement si tu avais quelques pommiel. Mais ne confonds pas les pommiel et les diabicots. Les deux poussent à proximité. On en a même fait une chanson. Écoute bien. Ces belles boules rouges, si mielleuses, n'ont qu'une queue. Mais gare au diable qui rôde, ne touche pas.
Ses belles pouces rouges n'ont qu'une queue. J'imagine que du coup, ce n'est pas ça. Mais que ça pourrait être ça. On va essayer. Ben ? Oh, il fait des petits cœurs. Ok, le bouton nous suit. Et on fait des petits cœurs. Oui, il nous suit également. Parfait. Il s'arrête à proximité du berger. On avait vu un autre mouton. Par là, je crois. Ouais, voilà. Béhé! Je pense qu'on les a tous là. Tu as trouvé Mimosa! Quel chenapan! Je vois pas Pénélope. Elle a dû aller dans son coin secret au milieu des Belles des Neiges. Un coin secret au milieu des Belles des Neiges. Tu peux m'en dire plus? Tu as trouvé le coin secret de Pénélope? Il est bien caché, mais il est entouré de Belles des Neiges de tous les côtés. Ok. Donc il est entouré de Belles des Neiges. De tout côté, donc il faut le faire apparaître. On va le faire apparaître en mettant les Belles des Neiges toutes blanches comme il faut. Voilà. On devrait pouvoir trouver Pénélope. Bonjour Pénélope. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans cette... cachette super secrète pleine de Belles des Neiges? A priori non. Pfiou! Tu as retrouvé tous mes moutons. Merci mille fois. Vu que tu as l'air doué pour trouver des choses, tu pourrais peut-être aider mon papa. Il cherche tout le temps de nouvelles plantes pour sa collection. Viens nous voir dans notre tente, je vous présenterai. On vit de l'autre côté de la prairie. Tu n'as qu'à suivre la route. Je te rejoindrai là-bas. Je vais juste compter mes moutons. Alors. Bah. Il nous a donné un morceau de carte. C'est pas celui-là. Non, celui-là non plus. Et celui-là non plus. Donc on va aller voir notre fragment. Et ben notre fragment, c'est parfait. C'est un morceau de chemin. On va donc pouvoir essayer de trouver la maison. Et alors, un petit avion en papier. Et il s'agit d'une lettre. Ma chère Carto adorée, quel désastre! Tu dois avoir peur, mais ne crains rien. Je connais ma petite fille, elle est forte. Ne t'inquiète pas pour moi non plus, le dirigeable s'en est bien sorti. Après tout, il a connu bien pire. Les habitants de ces terres sont très aimables, quoiqu'un peu étranges. Et je sais que nous finirons par nous retrouver, c'est dans nos gènes. Tu es bien loin, mais mon cœur reste avec toi. Et n'oublie pas de récupérer tous les fragments de cartes que tu trouveras. Ils t'aideront à t'orienter. Allez, lance-toi à l'aventure et amuse-toi bien. Bisous, Mémé. Donc Mémé nous a envoyé un petit avion en papier pour nous... nous dire de garder courage et de continuer. Vous voyez, là, je viens de poser un morceau et j'ai un autre morceau qui est apparu tout seul.
Donc c'est plutôt cool. Alors. Allez, passez là maintenant, dans le règne. Est-ce que tu entends le rythme de chaque plante? Écoute bien. Dessala. La Dessa. Cédala, Cédala, Cédala. Salade, salade. Tu entends? Elle pousse à toute vitesse. Et maintenant, arrête de m'interrompre. Donc, est-ce qu'on a d'autres choses sur cette carte? Non. Et ici, du coup, il y a l'air d'avoir des gens. Ici, il y a un panneau. Sentier en courbe vers les tentes. Il y a un mouton. Bé, bé, bé. Et il y a... Chut. Bah si chute, alors... Un autre morceau. Sur le trittier droit, vers le pont. Ok. Yahoo! Ce cours est génial! Je vais y arriver! Je vais devenir un grand collectionneur de plantes. Comme mon car. J'ai vu un lazulis hier. Mais ne le dis pas à maîtresse. Les enfants, écoutez-moi. Ceci est un crocus lunaire. Il s'ouvre à la lumière de la lune, puis plonge sous terre pendant la journée. Oh ! On appelle cette plante un dos d'abeille. Elle a l'air douce, mais il vaut mieux éviter de la toucher, car sa piqûre est très douloureuse. Oh ! Oh, bonjour ! Ne fais pas attention à nous, nous sommes en plein cours. Est-ce que tu cherches un mot? Tu passes généralement par ce chemin. Suis le sentier en courbe et tu tomberas sur sa tente. Enfin, il lui arrive de s'arrêter au bord de la rivière. Tu peux suivre le sentier droit pour y aller. Au fait, si tu le vois, dis-lui que ses moutons se sont encore attaqués à mes choux. Et elle dit de lire les panneaux. Donc... on a récupéré, voilà, on a récupéré une tuile de chemin droit. Donc on va mettre ce chemin droit et on va peut-être faire ce chemin droit le plus long possible. Ça me paraît pas déconnant. Voilà, donc là j'ai posé une tuile et il y avait une tuile qui était incompatible. Elle s'est donc retrouvée éjectée sur le côté. Lorsque la nouvelle tuile... enfin, deuxième nouvelle tuile, du coup, est apparue. Donc ici, on a de la forêt. Ok. Et on a effectivement une personne. Un petit pont avec une petite... fragment de carte. Et ici, c'est marqué « Fin de la route ». Ok. N'interromps pas ma mission secrète. Je veux dire, mon travail absolument normal dont je peux pas t'en parler. Écoute, tout ce que je peux te dire, c'est qu'on cherche la source de la rivière. Il paraît qu'on y trouve une plante très rare quand les conditions sont idéales. Il pourrait s'agir du lotus spectral. Mais je peux pas en dire plus. Je dois m'y remettre. Je touche au but. Chut, je réfléchis. Ok. Et du coup, notre nouvelle tuile, c'est de la courbe. Donc on va la mettre au bout du chemin en courbe. Et puis comme c'est des courbes, on courbe au maximum. Et on a une petite hutte. Ok, donc il fallait descendre tout en bas pour avoir une carte pour monter. Ok. Je pourrais très bien la poser juste à côté. Hein. On profite un peu. Donc ici c'est le chantier, le chemin courbe. Donc ici il y a un petit bout de forêt visiblement. Donc là, j'ai déplacé la Tata Yuya. Et ici, on a une tente.
La récolte a porté ses fruits. N'y touche pas, à moins que tu veuilles avoir des problèmes. Que tu feuilles avoir des problèmes. Joli petit jeu de mots. Il n'y a pas d'aiguille dans cette meule-là. Il y a de quoi se jeter des fleurs. Alors, et on rentre dans la maison et on retrouve... Bon, te voilà! J'ai essayé de faire la sieste, mais Pénélope n'arrêtait pas de péter. Tu es sûr que tu as pas donné de Diablico? Enfin bref, je vais te présenter mon père. Il collectionne toutes sortes de plantes. Tu pourras peut-être l'aider à en trouver de nouvelles. Il est juste derrière le rideau. Qu'est-ce qu'on a? Un âtre chaleureux. C'est le carnet de notes privé de papa. Ne le lis pas. Bon, on le lit pas. Un pot duquel émane une douce senteur fruitée. Et ici, on a le rideau. Sauf que, comme vous voyez, on ne peut pas avancer. Et en fait, on se retrouve, du coup, dans un petit monde qui est lié à la maison. Voilà. Et on sait que papa est derrière le rideau. Donc je bouge pour pouvoir aller derrière le rideau. Une marmite de soupe au chou qui mijote doucement. Très diététique. Un mélange d'infusion à base de plantes. Ça sent le... tout. Ok, donc ici, il y a une sortie. On voulait pas forcément sortir. Bienvenue! Et ici, c'est un tonneau de quelque chose qui fermente. Une pousse de pommiel. Mon fils m'a dit que tu l'as aidé à retrouver ses moutons. Un grand merci, jeune pousse. Oh, ne sois pas timide. Tous les visiteurs de cette prairie sont nos amis. Je suis Mancard le Fort, fort d'une remarquable collection de plantes. Hé hé! Mon groupe et moi explorons régulièrement d'autres prairies en quête de nouvelles plantes. Nous échangeons également nos graines avec celles d'autres tribus pour qu'elles puissent faire pousser tout type de plantes. Nous n'arrêtons jamais de chercher de nouvelles espèces. Par exemple, j'ai trouvé un nouveau type de rose juste hier. On devrait lui trouver un nom. On devrait lui trouver un autre nom d'ailleurs. Car elle sent pas la rose. Mais assez parlé de moi. Dis-moi tout sur ta prairie. Attends, ne dis rien. Je parie que je peux deviner d'où tu viens. Je n'avais jamais vu ce genre de vêtements. Viens-tu de par-delà l'océan? Hé, les algues dans tes cheveux t'ont trahi. Mais de quelle île viens-tu? Ne dis rien. J'ai une idée. Oh, mon car, malin cactus. Mon carnet dans la pièce d'à côté recense les plantes que j'ai croisées lors de mes voyages. Jette-y un œil et dis-moi si tu reconnais une plante de chez toi. Grâce à ça, je pourrais sûrement déduire d'où tu viens. Donc, le carnet qu'on n'avait pas le droit de toucher. Papa t'a autorisé à lire son carnet? Quelle chance! Du coup, on va le lire. Un carnet épais rempli de notes concernant diverses plantes. Peint dansant, il se balance au rythme du vent, jusqu'à parfois se déplacer nonchalamment jusqu'à la forêt voisine. Patate aigre, il ne peut en exister qu'une par kilomètre carré, car elle absorbe l'acidité des plantes environnantes. Fausse mousse. Il ne s'agit pas du tout de mousse, mais d'un tapis de sauterelles pygmées. Baie oisive. Quel goût horrible. Et bien plus encore. Si on réagit. Voilà. Donc il n'y a rien de plus dans ce carnet. On va retourner voir mon car. As-tu trouvé mon carnet de notes? Tu n'y as trouvé aucune plante de ton île natale? Comment est-ce possible? De quelle terre lointaine peux-tu bien venir? Quel type de fleur y pousse? Tu es si mystérieuse.
Je comprends que Mo ait voulu que je te rencontre. Tu pourrais peut-être m'aider. Chaque prairie possède une plante unique. La nôtre est le Lotus Spectra. Il brille d'une lumière magnifique, mais il est aussi éphémère que son nom le suggère. Et on a notre ventre qui gargouille. Oh, pauvre petite, tu dois être affamée. Et moi qui te rebats les oreilles avec mes plantes. Veux-tu dîner avec nous et dormir ici? Nous pourrons reprendre notre discussion autour du repas. Ou bien parler d'autre chose. Mon papa! Prépare donc le dîner et prévois des couverts en plus pour notre invité. Bien sûr! En attendant, pourrais-tu me rendre un service, jeune pousse? Nous sommes à court de brise-feuilles depuis hier soir. J'ai demandé à Ganka d'aller en chercher dans la forêt, mais ça fait un bout de temps qu'il est parti. Peux-tu aller voir ce qui se passe? Pendant ce temps-là, je vais prendre l'air. Je n'aime pas rester loin de la nature trop longtemps. Ok, donc on a retrouvé un Ganka dans la forêt. La forêt. Ah oui, du coup, on se retrouve là. Bah, je veux bien aller à côté de la forêt, déjà, ça m'arrangerait. Je ne tape pas tout ça pas à pied, puisque je peux pas y aller. Voilà, déjà, on est un peu plus proche de la forêt. Il y a quelqu'un. Pfiou ! La forêt sent comme Tonton Ganka ! Ok, la forêt sent comme Tonton Ganka. Ça m'aide, les gars. Regarde par ici ! J'ai vu Tonton Ganka entrer dans cette forêt. Ok, donc en fait, vous êtes en train de me dire qu'il est dans le bout que j'ai pas. J'ai un bout de forêt ici. Je peux peut-être faire ça. Voilà. En agrandissant la forêt, ça se passe mieux. Alors, où est-il? Ah bah déjà, les petits garçons l'ont retrouvé. Ha ha! J'ai enfin trouvé la source de la rivière. Mince! C'est déjà l'heure du dîner? Le temps passe vite quand on résout des mystères. Je ferais mieux d'aller manger, même si j'ai hâte de revenir explorer la rivière demain. Enfin, ces petits sacripants risquent de me retenir encore un moment. Tu peux donner ce brise-feuille à mon quart de ma part? Merci! Notre oncle a une grosse voix. Jouons forêt hurlante! C'est l'heure de jouer, tonton Schlingo! C'est gentil ça, tonton Schlingo. Je savais que je t'avais vu. Maintenant, bien joué. Ok. Ils ont rien d'autre à dire. Où est-ce qu'on l'a laissé? Voilà, on l'a laissé là. Mon corps. Hop. Ah, du brise-feuille. Tu as dû trouver Ganka. C'est grâce à ça que nous informons tout le monde qu'il est l'heure de manger. Elle a le goût d'un fond de rivière, mais son odeur est extrêmement alléchante. Et on peut... Alors là, la seule chose que je peux faire, c'est taper dans les mains. Voilà. Piou! J'ai le ventre plein. Tu as aimé ma tarte de la prairie? C'est maman qui me l'a apprise la recette avant de mourir. Je pense toujours à elle quand je la prépare. Elle est au ciel maintenant. La 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 la. Tu aimes nos chansons? Celle-ci s'appelle le chant de croissance, et elle se chante en harmonie avec la prairie. Papa, dès que si on tend l'oreille, on peut entendre la voix de chaque terre. Maman lui a appris à chanter avec les graines,
Et il me l'enseignera bientôt, à moi aussi. J'ai hâte. Debout là-dedans! Il se passe quelque chose d'exceptionnel à la rivière. Kanga a trouvé un lotus spectral qui est sur le point d'éclore. Tout le monde est parti voir. Viens avec nous. Ok. A priori, il n'y a pas de nouvelles choses avec lesquelles interagir. Interagir ? Non. Alors, on a dit qu'ils sont à la rivière. Donc, j'imagine qu'ils sont par là. Bonjour! Hé, j'ai trouvé la source de la rivière! Et maintenant, je me cache! Pardon, mais ce rocher est tout juste assez gros pour moi! Ok. Chut! Il paraît que cette plante est très timide. Faisons-nous discret. Chut! C'est génial, non? On ferait mieux de se cacher! Ok. Oh! C'est si palpitant! J'ai tellement hâte d'en parler à mes élèves! J'aurais bien aimé les emmener, mais ils sont trop bruyants. Ok. Tout le monde a trouvé un endroit où se cacher? Il y a de la place ici! Ben, il y a de la place ici, alors par ici. Je suis pas au bon endroit. Voilà. Des petits moutons qui ont fait des petites bêtises. Que vais-je dire aux enfants? Loustique, qu'est-ce que tu as fait? Le lotus spectral ne se mange pas. Les moutons ne mangent que des choux. Mais... Oh non! Le lotus spectral! Ce satané mouton l'a effrayé! Que faire? Si j'étais un lotus spectral, où est-ce que j'irais? Le mystère s'épaissit! qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prolonger la forêt, la rivière. Voilà, on prolonge la rivière pour aller. Donc, et on peut interagir. Il a l'air bloqué. On peut le laisser ou tenter de le libérer. On va tenter de le libérer. Et visiblement, ça nous s'entraîne quelques petits rebondissements avec notre ami le lotus spectral. Donc, on se retrouve sur une nouvelle île. Ouais, c'est une nouvelle île, donc il n'y a plus rien du tout. Donc on va explorer cette nouvelle île la prochaine fois. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous dis bye bye !